C'est la finale du championnat du monde de snooker à Sheffield en Angleterre. Le Chinois Ting Junhui est devenu le premier Asiatique de l'histoire à parvenir en finale. Mais Ding peine face à l'ancien champion et actuel numéro 1 mondial, Mark Selby. Les deux rivaux posent avec le trophée avant le match, qu'ils espèrent tous deux gagner. Selby remporte la manche d'ouverture avec un break de 91, mais Ding menace de reprendre l'avantage dans la seconde partie avec 29 points d'avance, alors qu'il ne reste que les couleurs. Selby ne laisse pas passer sa chance et remporte la manche. 2-0 pour Selby. Le champion 2014 poursuit sur sa lancée et remporte les quatre manches suivantes. Il mène 6-0. Il échoue cependant à rentrer la dernière bleue dans la septième manche, ce qui donne à Ding l'occasion de reprendre du terrain. Le Chinois ne fait aucune erreur et remonte à 6-2. La deuxième session débute. Selby remporte la série d'ouverture avant que Ding ne fasse son retour et remporte la dixième manche. Il continue lors de la manche suivante et réduit l'écart à 7-4. Dans la douzième, Selby faute alors qu'il mène 49-4. Ding saisit cette occasion de prendre le dessus. Il réalise alors une série de 89 qui lui permet de remporter la manche, 7-5 pour Selby. Les deux adversaires se partagent les deux manches suivantes. La 15e dure 67 minutes. Ding fait un coup à 55 points pour mener 71-0, mais Selby refuse de s'avouer vaincu. Le Chinois finit tout de même par l'emporter avec les billes de couleur, 8-7 pour Selby. Selby met fin à la contre-attaque de Ding en remportant la manche suivante. Lors de la dernière manche de la session, Ding commet un impair. Selby rentre une bille cruciale dans le coin et tape la table pour relâcher la pression. Deux manches très tendues, mais les joueurs restent concentrés. Selby rentre la dernière verte et remporte la session. 10-7 pour l'Anglais, qui lève le bras en signe de célébration et de soulagement, avant la reprise du match plus tard dans la journée.